Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être de retour à Saguenay pour célébrer de très bonnes nouvelles pour le Québec et pour le Canada. Je tiens d'abord à remercier Alf Barrios, chef de la direction de Rio Tinto, Roy Harvey, chef de la direction de Alcoa, et Sarah Chandler, directrice des initiatives environnementales de Apple. Je sais que plusieurs ont dû faire un plus long voyage pour être des nôtres ce matin, et nous leur en sommes reconnaissants. Et finalement, permettez-moi de saluer le premier ministre Couillard. Il y a 2 mois à peine, en mars dernier, Philippe et moi étions ici à Alma pour nous entretenir avec les travailleurs de Rio Tinto. Lors de nos discussions, je leur avais dit que nous avions leur intérêt à cœur et qu'ils pouvaient compter sur le gouvernement, sur nos gouvernements, pour faire passer leurs intérêts au premier plan. Nous sommes non seulement déterminés à protéger les emplois des travailleurs d'aujourd'hui, mais aussi à assurer la viabilité du secteur de l'aluminium pour des années à venir. Pour préparer les Canadiens aux emplois de demain, nous avons fait des investissements sans précédent dans le développement des compétences. Nous avons également apporté des modifications à l'assurance-emploi. Aujourd'hui, les travailleurs peuvent retourner aux études pour acquérir de nouvelles compétences tout en gardant leur chèque de prestation. Ces mesures font partie de notre plan qui vise à créer les conditions propices à l'investissement, à l'innovation et à la création d'emplois. Et nos efforts portent déjà leurs fruits. Unemployment is at its lowest in nearly 40 years, with close to 600,000 more Canadians working today than there were just 2 years ago. Not to mention, the Canadian economy was growing at the fastest rate of all G7 countries last year in 2017. And companies around the world are taking notice. After all, the key to any successful company is having the right workers with the right skills. With its highly educated workforce, Canada is quickly becoming a top destination for companies to grow, innovate, and shape the future. And today's announcement is just the latest proof of that. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada salue la décision conjointe de Rio Tinto et Alcoa de concevoir la toute première technologie de fusion de l'aluminium à zéro émission de carbone au monde. Pour appuyer le projet, le gouvernement du Canada versera une contribution remboursable de 60 millions de dollars et le gouvernement du Québec effectuera une contribution égale à la nôtre. En somme, le projet Hélicis aidera à créer 1 000 emplois et à maintenir 10 500 de plus pour les Canadiens. Le résultat de plusieurs années de recherche, il s'agit de l'innovation la plus importante dans l'industrie de l'aluminium depuis plus de 100 ans. L'éventuelle adoption de cette technologie représentera également une étape décisive dans la lutte contre les changements climatiques, puisqu'elle éliminera l'empreinte de carbone de l'industrie de l'aluminium. Mais le potentiel transformateur de cette avancée ne se limite pas seulement à la production d'aluminium. Une fois sur le marché, cet aluminium pourra être utilisé dans la fabrication de voitures ou de produits de consommation. Et c'est pourquoi Apple a décidé de prendre part au projet en investissant 13 millions de dollars additionnels. Ainsi, le projet Hélicis nous permet de nous rapprocher des cibles de l'accord de Paris et nous aidera à respecter nos engagements en ce qui a trait à la protection de l'environnement. Mes chers amis, l'expertise des Québécois dans le domaine de l'aluminium est inégalée et leur potentiel pour l'avenir ne fait aucun doute. L'annonce d'aujourd'hui en fait la preuve. La décision de géants de l'industrie comme Rio Tinto et Alcoa d'investir chez nous constitue un vote de confiance envers les Canadiens et le Canada. Et c'est donc avec fierté et enthousiasme que nous accueillons cette décision majeure. Encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.